Salut à tous, c'est Nathaniel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où ce sera la première vidéo d'une série, tout simplement. Et cette série, ce sera j'interview des youtubeurs. Donc, le premier youtubeur est Agro Studio. Bonjour, bonjour à tous. Et donc là, j'ai choisi 7 questions pour commencer. Donc la première est, pourquoi as-tu commencé YouTube ? Alors, j'ai commencé YouTube en partie parce que Benji Farmer faisait des vidéos, c'est un YouTuber que je suivais énormément avant. Et il m'a donné envie de commencer, j'avais un PC, bon, pas terrible, mais qui faisait tourner quand même farming, et du coup j'ai essayé, j'ai mis ma première vidéo en ligne. Mais voilà, au début je faisais quand même des vidéos IRL, donc voilà, j'ai commencé comme ça pour le fun, on va dire. Ok. Alors ma première vidéo est sortie il y a un peu plus d'un an. J'avais fait une grosse pause, je sortais que des vidéos IRL avant. Et voilà, ça fait un an que j'ai sorti ma première vidéo, je l'ai sortie je crois au mois d'août dernier 2016, et j'ai fait une grosse pause jusqu'au mois de février. On est sorti quelques-unes, j'ai fait une grosse pause jusqu'au mois de février. Au mois de février j'ai repris les vidéos farming cette fois. Ok. La troisième est, comment as-tu trouvé le nom de ton pseudo Agro Studio? Alors, à vrai dire, je vais pas vous dire des conneries parce que je sais pas tellement. Agro, parce que c'était en rapport avec agro-équipement, ce que je veux faire, voilà, l'agricole. Et studio, parce que je pensais, voilà, c'était un nom à la con, que je m'étais choisi comme ça, vite fait. Et studio, c'était un peu les studios de tournage vidéo, etc. J'ai un peu joué là-dessus, quoi. Ok, la troisième est, comment tu t'organises niveau des vidéos, le tournage et le montage? Alors, faut savoir que moi, je suis pas organisé du tout. Comme ça c'est simple. Niveau du tournage, on tourne en général les roleplays. J'essaie de me donner un rythme potable. Les roleplays en général on les tourne le vendredi soir pour faire le montage le samedi et le upload le dimanche quoi. Sinon les petites vidéos comme ça je les tourne quand j'ai envie quoi. Ça sort le lundi ou le mardi, ça sort n'importe quand quoi. La cinquième, tu préfères tourner ou faire le montage? Je préfère quand même tourner les roleplays, c'est super sympa à tourner. Le montage, j'ai jamais ça avant, mais maintenant ça me saoule un petit peu. Ouais. Bah, j'aime toujours ça, mais ouais, je pense changer de logiciel parce que le logiciel que j'utilise est pas top. Ouais. Tu prends combien de temps en moyenne pour tourner une vidéo? Combien je mets de temps pour tourner une vidéo? Bah, ça dépend. S'il y a des prises de vue, je mettrai quoi, une petite heure. Sinon, s'il y a pas de prise de vue, en général, on fait ça comme ça et puis. Allez, pour une vidéo de 15-20 minutes, on met quoi, 30 minutes maximum. Okay. Tu prends combien de temps en moyenne pour faire les montages de tes vidéos? Alors pour des roleplays, je mets 1h30, 2h contre 3h avant, parce que avant je connaissais pas encore trop le logiciel. Maintenant, en 1h30, voilà, c'est fait. Mmh. Ok, ben voilà, c'est déjà la fin de cette interview. Déjà, merci d'avoir accepté... d'être présent. Merci à toi, pas de soucis. Et aussi, je voulais vous dire que vous pouvez choisir qui vous voulez que j'aille interviewer et puis j'essaierai d'aller l'interviewer. Et vous pouvez aussi choisir les questions en commentaire. Donc voilà, c'était Nathaniel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager votre avis en les commentaires. Allez, à plus.